Eh bien salut les amis, c'est Kermando, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Paper Mario The Origami King sur Nintendo Switch. On est toujours dans le château de Bowser, on avait commencé à rencontrer des bonhommes grave bizarres et tout et Mario il a commencé à faire un petit roupillon entre temps. Dans tous les cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, alors normalement je devrais continuer là-haut. Mais je me dis quand même qu'il y a un truc en bas, alors déjà il y a ça, mais je pense que je vais me faire attaquer. Étonnamment je ne me fais pas attaquer. Et ça m'étonne vraiment beaucoup. Mais oui, c'était pas ça, c'est que là, il y avait un passage et on voulait pas m'y emmener plus tôt parce que, genre, Olivia, encore une fois, elle me bloquait. Mais là, il n'y a plus Olivia. Quoi? D'accord. Je dois emmener ça où, au juste? Ah, les trucs s'allument quand ils sont bien mis, c'est tout. C'est un peu simple quand même, non? Ah ouais, non, pas forcément en fait. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois tous les allumer parce que là, ça a l'air d'être bien parti, non? Et lui, il est mal mis. Je ne comprends pas, je ne sais pas ce que je dois faire. Peut-être que je dois pas faire ça maintenant. Ah, je dois allumer là-dedans! Alors, j'ai pas besoin de tout allumer comme ça, si, attendez. Mais lui, il en a un sur les fesses, là, de trucs. Bah non. Non. Forcément venir par le côté, alors. Donc là, ça doit forcément venir comme ça. Ah, mais là, ça pose problème. Attendez. Non, 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 non. Non, non, dans l'autre sens. Là, ça paraît bien. Je pense que c'est bon, là. Ah ouais, mais... D'accord. Bon, j'avais bien fait le truc, mais sauf que c'est probablement pour aller au monde suivant. Il y a le serpentin qui gêne. Ouais, je pense que c'est ça, c'est pour aller au dernier monde. Bref, bon, on fera ça plus tard. En tous les cas, j'ai déjà résolu une énigme. J'espère juste que le fait que j'ai quitté la pièce et que je revienne, les trucs seront disposés correctement, parce que ça me saoulerait un peu de le refaire, mais bon. Après, c'est pas comme si ça m'avait pris plus de 2 minutes. Bref, allez. Ok, on va apprendre d'où ils viennent, tous ces petits bonhommes. C'est quoi? Ils ont été découpés par les ciseaux, peut-être? Ils ont peut-être été découpés par les ciseaux, effectivement. Parce que normalement, ils font des origamis et tout pour les monstres. Mais là, c'est des découpages, en fait, en vrai. Donc, oula! Mais c'est des morceaux de bonhommes, ça! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Non, 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 non! Non, non, non! Mais quoi, là, je me combats contre la main, quoi? On dirait les mains dans Zelda, là, qui nous chopent et tout. C'est un boss? Oh là 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 là. Olivia! Mario! Viens m'aider, j'ai été capturé par cette chose! C'est le cas de le dire. Et une sorte de main toute sombre avec des allures de serpent, c'est très perturbant! Oui, comment je vais faire? C'est quoi ce truc? J'ai peur, s'il te plaît, Mario, viens m'aider vite! Oh là! Pouh, que d'accord, tais-toi, c'est bon, t'as assez entendu. Qu'est-ce que je fais? Je vois pas trop en quoi le pouvoir de glace ferait quoi que ce soit. Pour être honnête, j'ai pas l'impression que le pouvoir de glace soit très utile. Le feu, ça m'a l'air plus logique, non, d'utiliser du feu, non? Je sais pas, hein. Et pourquoi il n'y avait pas de bouton on? Genre, les trucs étaient allumés de base. C'est suspect, ça, non? Il va faire un x2, même si je sais pas si ça sert à quelque chose. Comme ça, on aura l'indice. Ça va nous dire quelques petits trucs sur le boss. Il faut trouver la bonne distance pour attaquer. Ni de trop loin, ni de trop près, surtout! Je suis trop près, là, non? Olivier a été capturé sans son aide. Vous ne pouvez pas utiliser le cercle de pouvoir. D'accord. Ça paraît pas illogique. Alors... Oh là là, oh là là, oh là, ça fait mal. Pff, 9 Ça fait rien du tout. C'est trop nul. Qu'est-ce que... Donc, je peux pas utiliser le pouvoir des esprits. Ça, on vient de le comprendre. Donc, t'as un autre indice à me donner ou quoi? Ça va aller par là. Je peux pas attaquer de trop près, ça, on me l'a dit. Donc là, ça va. C'est la bonne distance, non? Je suis peut-être trop loin. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a bougé? Ouais, je sais, il me donne le même indice, donc on s'en moque. Je pense que sauter dessus, ça a l'air d'être une grave erreur, non? Le marteau, on est trop loin. Bah, faut lui sauter dessus, hein. Botte de fer brillante pour commencer. Grand cobra, il s'appelle grand cobra, mais c'est pas un cobra, c'est une main. Cobra, parce qu'il y a un bras mince! Mais je l'attaque comment, moi? La fleur de feu, à la limite! Ok. Je sais pas ce que je peux faire. C'est chaud. À la limite, je peux l'attaquer au marteau en étant à 2 cases de lui. C'est un peu le seul truc que je vois que je peux faire. Ça, faut que je le vire, parce qu'il faut pas qu'on utilise un pouvoir d'esprit. On peut essayer de faire ça.
Là, de toute façon, c'est à tâtons. Genre, j'essaye de... C'est pas du tout ce que je voulais. C'est absolument pas ce que je voulais. Bref, tant pis. J'avais mal géré. Et si on envoyait un marteau pilon quand même, hein, ça aura peut-être un truc. Ça lui fera probablement quelque chose. Presque ça lui fera beaucoup, je pense pas. Mais il devrait quand même perdre un petit peu de vie. Ah non, il va le bloquer. Ah non! Il y a un souci là! Le marteau il le chope. Les sauts il me chope. Qu'est-ce que je suis censé faire? Là j'aurais vraiment besoin d'un petit peu d'aide. Comment ça? Peut-être que j'aille juste un peu plus près. Je pense que c'est vraiment un combat qu'on fait à tâtons quoi. On va tout tester et on verra bien. Là je peux utiliser le marteau. Genre un marteau normal là. Faudrait utiliser le marteau. Ouais, ouais, vas-y. Ok, alors je lui ai presque fait aucun dégât, mais ça marche. Ah, il a relâché son étreinte. Je ne sais pas ce que tu as fait au juste, mais refais-le. Je vais continuer, t'inquiète, t'inquiète. Par contre, ça va être long, je pense. Hein. On lui fait aucun dégât. Faut que j'essaye avec un meilleur marteau. Je suis même pas sûr qu'un meilleur marteau ça fasse grand chose. Ok. Parce que généralement, c'est un peu scripté les boss. Quelle que soit l'arme que tu utilises, ça change rien. Donc, faut l'attaquer d'ici. Alors là, on fait ça. Là, on va là. C'est bon là, non? Attendez, on fait ça. Là, ça paraît bien. Si je fais ça, je vais l'attaquer comme il faut. La distance qu'il faut. Non, parce qu'il y a un truc d'attaque mal placé. On va mettre un coffre à la place. J'espère que ça détruit pas tout mon truc, je pense. Enfin, le coffre, ça sert à rien. Enfin, je vais avoir des pièces dedans, je pense. Ok, des pièces et un cœur. En plus, c'est des pièces à l'unité, mais c'est vraiment, vraiment nul, quoi. Le marteau! Le marteau! Allez, vas-y. Légendaire. J'espère vraiment faire plus. 17. Ah ouais, pas mal. Pas mal. Allez, encore un effort et je crois que je pourrais prendre le large. Ouais. Et après, j'utiliserai quoi comme pouvoir d'esprit? Attraper, jeter. On dirait un pas de danse. Lenny attaque! Je crois que j'avais remarqué, petit Todd. Et en plus, ma voix, elle a fait n'importe quoi. Allez, alors. Ok, donc là, on va là-bas. Ça, c'est bien. On attaque où il faut et on fait un x2 en plus. Nickel. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Pas re-besoin d'un indice. Le coffre, je pourrais l'avoir. Là, ouais, on vérifie une dernière fois. Ça a l'air nickel. Je vois, il se place à l'endroit où on va devoir s'arrêter. Genre, il prévoit nos mouvements et tout, hein, vicieux. Ok, maintenant, marteau légendaire en x2. Ça va faire mal, ça, hein. Tu vas regretter, la cobra. Ouh, 30 points de dégâts. Ah, c'est capé, quand même, parce que 17 x 2, je sais calculer, ça fait pas 30. Hein. Wouah! Faut que je la récupère sur le terrain ou elle tombe sur moi? Ok, parfait. Piou, enfin libre! C'était horrible, il est tout moite au contact! Brrr. Merci pour le coup de main, Mario. C'est le cas de le dire, le coup de main. Bon, alors, il est temps d'attaquer avec les pouvoirs des esprits. À présent que je suis libre, il est temps de flanquer à cette chose une bonne tape sur la main. Dirige-toi vers un cercle de pouvoir, Mario. Allez, c'est parti! Lequel on va utiliser? Je pense que le feu, c'est le plus efficace, non? Quoi? Attends! Le cercle de pouvoir vient de se transformer en des nouveaux panneaux. Qu'est-ce que ça peut représenter? C'est un point ou pierre? Pierre, feuille, ciseau. Ah oui, ça, ça doit être ciseau. Et là, c'est sûrement feuille. Oh, j'ai déjà entendu parler de ça. On va devoir affronter cette chose à caillou, pierre, cisaille. Caillou, papier, cisaille. Qui appelle ça comme ça? Caillou, papier, cisaille. On dit pierre, feuille, ciseau, non? Attendez, dans les commentaires, dites si vous dire. Si vous dites pierre, feuille, ciseaux ou caillou, papier, cisaille. Qu'on sache qui bannir, quoi, là. Une forme légendaire de combat à main nue. Pardon, tu en as entendu parler sous un autre nom? Ah oui. Ah, pierre, feuille, ciseaux, hein. Oui, c'est vrai que ça sonne mieux. Enfin, peu importe. On va mettre une bonne raclée à cette espèce de paluche rampante. Ah, mais comment? J'utilise quoi, moi? Ok, là, je vais là. Là, j'utilise ciseaux. Non, il utilise ciseaux, là. Il a l'air d'utiliser ciseaux. Non, il change. Mais il change en fonction de quoi? Là, il fait une pierre, non? Là, il fait une pierre, je pense. Il va pas changer? Non?
S'il fait une pierre, il faut que je mette la feuille. Hein. Mais la feuille, elle est grave mal placée. Ah non, c'est un peu relou. Hein. Non, je peux la mettre bien, la feuille. Je la mets là. Donc, touc, touc. Il a changé. Et là, il fait ciseaux. Oula, ok, donc là, je fais pierre. Tic, tic, tic. Ok, ça a l'air bien. Vas-y. Donc là, on... Il a pas changé encore. Hein. Il a changé, non? Attendez, là, c'est papier. What? Pour cette partie de pierre-feuille-ciseaux, nous allons nous servir des bras multipliés. Appuie sur A au dernier moment de l'instruction pierre-feuille-ciseaux pour que ton bras forme le symbole sur lequel tu atterris. Prêt, allons-y! Vas-y. Égalité? Mais j'ai fait pierre alors que c'était au moment de ciseaux. J'ai rien compris. Qu'est-ce qu'il fait? Eh, c'est juste une impression ou? Cette main monstrueuse est plus grande qu'avant! C'est pas qu'une impression. Mais quoi? Je dois faire quoi là? Je comprends pas, c'est du hasard ou il y a une technique particulière? Je sais pas, genre là on peut faire la pierre parce qu'il était en mode ciseau. Ok, bras multiplié, pierre, feuille, ciseau activé. Appuie à ciseau? Pourquoi j'appuierais sur ciseau? Mais what? Mais c'est du hasard en fait. Ouah, bon réflexe Mario. Pas du tout, non. Visiblement, super une manche, tu as intérêt à appuyer rapidement sur A pour parer son attaque. C'est grave du hasard en fait. Bah, si j'utilise tout le temps pierre, je finirais bien par avoir raison. C'est toujours le genre de technique que j'utilise. Hein. Allons-y. Franchement, bah, c'est un peu stupide que ce soit du hasard. Hein. Enfin, je regagne des vies et tout, c'est cool, mais... Il n'y a pas d'indice visuel et tout. Ça me paraît bizarre. Ça me rappelle le Color Splash. Il hein. Y avait des trucs comme ça, on faisait ça en live, c'était cool. C'est bon. Je sais pas pourquoi, mais c'est bon. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Ok, excellent. Oui, tu as réussi. Bien joué, Mario. À présent, on sait comment vaincre cette chose. Tu dois remporter la manche, puis la rouée de coups. Bon, bah, on va continuer de faire ma technique et d'utiliser toujours pierre. C'est bizarre, quand même. C'est extrêmement bizarre. Il y a un indice. Peut-être que l'indice me dira que... Genre, je peux changer d'avis et tout. Enfin, qu'il y a des indices. J'en sais rien. De près, votre attaque à pierre, feuille, ciseaux sera plus forte, mais la sienne plus difficile apparaît. De loin, votre attaque aura moins de puissance, mais vous pourrez mieux parer. Ok, nul. Nul. Complètement nul. Vas-y, bras multipliés. Ça m'étonnerait que deux fois de suite, ce soit pierre, mais c'est possible. Ciseaux! Nickel! Mais c'est ouf! Vas-y, plein de fois. Ah, allez, allez. On peut le tuer, on peut le tuer. Quoi? Quoi? Il lui reste 2 PV? What? Non! Il se moque de nous. Ok. Vas-y, encore, hein. Mais il se moque de nous, c'est pas possible, genre... Il lui reste un PV. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je sais, c'est toujours la même chose. Si c'est 3 fois pierre de suite, alors moi ça me va, hein. Mais ce serait quand même bizarre, hein. C'est peut-être une histoire de timing, en fait. Tu dois faire le bon timing, sinon ça marche pas. Je sais pas. Feuille, ciseaux. Non, loupé, défaite. Faut bien que ça arrive. Oh, ok. En fait, c'est par rapport au timer qui est en haut. La première fois, j'avais appuyé sur A immédiatement et ben effectivement, c'était pas bon. Alors. Allez. Je sais pas, hein. Si c'est vraiment du hasard, dans tous les cas, statistiquement, le plus rapide, c'est de faire toujours la même chose. Ça finira forcément au moins par tomber sur le même truc. Ou statistiquement, en fait, ça change rien. C'est... Quel que soit le truc que tu fais, ça change rien. Et je suis désolé, mais je ne fais pas de la... De la psychologie inversée sur des ordinateurs. Oula. Pourquoi il devient plus grand pour que je vois mieux ce qu'il fait? Mais là, je suis catégorique. Il fait ciseaux. Ce qui change à rien du tout. Est-ce que quand il fait ciseaux, ça veut me dire je vais jouer ciseaux? Enfin, lui, il va jouer ciseaux. Ou est-ce que ça veut dire que moi, je dois jouer ciseaux? Ah, c'est vrai que j'avais pas vu les choses comme ça. Je pensais que quand il faisait ciseaux, ça voulait dire que lui allait faire ciseaux. Mais peut-être pas, hein. Ok, bon, peut-être que si, en fait. Allez, c'est bon. On va gagner ce combat. Il n'y avait qu'un coup à lui mettre. Le co-bra. Oui, non, oui, au début, j'avais pas compris le jeu de mots. Hein, mais après, j'ai compris 2550. Cool, cool. Bon, bah, rip. Et eux, ils sont tous morts. Hein. Oh, Mario, c'était horrible.
Un petit câlin, elle est contente de nous voir. J'ai eu si peur, et toi tu t'es jeté sans hésiter à ma rescousse, une fois de plus. C'est quoi cette musique? Je ne pouvais rien faire pour t'aider, alors j'ai bien fait attention à ne pas faire le moindre bruit pour ne pas te déconcentrer. Oh, c'est mignon. Oh, désolé, je crois que j'ai laissé l'émotion m'emporter. J'espère que mes larmes n'ont pas trop mouillé ta salopette, Mario. Oh, elle est émouvante. Tu sais quoi? Je me sens mieux à présent. Pleurer un bon coup m'a fait du bien. Allons nous occuper de ce serpentin vert. Je crois que nous sommes sur le point d'arrêter enfin mon frère. Faisons-le pour tous les sbires de Bowser qui ont été réduits en confetti, Mario. Bah, pourquoi on les met pas dans notre sac à confetti alors? C'est horrible, je suis horrible. Oh, ça va, c'est des bouts de papier. Hein. Oula, je sens que ça va être le boss. La paire de ciseaux? Ça a l'air grave difficile. Nous y voilà, c'est l'extrémité du serpentin vert. Oh, y'a Bowser! Salut! Cette fois, c'est la fin, Mario! Le tout dernier des serpentins! Oui, mais ça va pas être aussi facile que ça, hein. Genre, vraiment, ils y croient, là? Attention! Fais gaffe! Wow, Mario, il a de bons réflexes! Alors, à qui on dit merci? C'est vrai, merci Bowser. On peut dire merci à Bowser dans les commentaires. L'escrimeuse a de larmes, paire de ciseaux. Oui, c'est plutôt moi qui vais avoir des larmes bientôt. L'esquive était belle, j'en conviens. Mais je n'en attendais pas moins, car il aurait presque été navrant d'en finir avec vous si prestement. Mettez-vous donc d'abord en jambes, j'ai là un nouveau petit compagnon, vous allez pouvoir jouer ensemble. C'est quoi ça? Ah, c'est l'arène, ok, d'accord. Oula! What? C'est Mario? Où suis-je? J'ai faim! Et touchez pas ma figure! Qui s'est pas brossé les dents? Quelle horreur! Les ciseaux ont découpé les visages de plein de gens pour fabriquer ce monstre! Un bruit insecte. C'est trop affreux, je ne peux même pas le regarder. Il vous paraîtra peut-être mignon, mais vous allez devoir l'affronter! Je vous souhaite bien du plaisir, et si par hasard vous surviviez, je serai là prêt à vous accueillir. Oula! Oula, c'est quoi ça? Mais c'est une tête de Koopa, ça n'a aucun sens. What? Je dois la détruire? Pas bien difficile, mais... Je suis sauvé! Peut-être pas tout à fait encore. Ah ouais? Si je les détruis pas moi-même, ça compte pas, c'est ça? Vas-y, viens. Ok. Ah ouais, s'ils se détruisent sur le mur, j'ai l'impression que ça marche pas. Ok, ok, très bien. Et quand ils sont rouges, ils donnent des cœurs, c'est ça? Apparemment... Oula! Ok, c'est des trucs de Kamek, ça, ou quoi? On dirait la magie de Kamek. Mais c'est la magie de Kamek, c'est littéralement la magie de Kamek. Il a été origamisé, le pauvre Kamek, ou quoi? Ok, mince. Ah, c'est déjà mieux, mais je leur marche dessus après, genre ça les dérange pas. On dirait. Allez, viens là, viens là, viens là. Ok, nickel. Ah, y'a Kamek, oui! Mario, c'est moi, Kamek! Cette monstruosité a su détourner à son profit mes pouvoirs magiques! Oh oh. Attention, il se prépare à te lancer un sort extrêmement puissant! Si tu réussis à lui retirer mon visage, ça devrait nettement l'affaiblir! Et essaie d'esquiver mon attaque, puis décolle mon visage! Essaie d'esquiver son attaque, puis décolle mon visage! Oui, dit comme ça, ça paraît ridicule, mais fais-le! Oui, ça paraît un peu ridicule. Je dois esquiver l'attaque. Je dois peut-être pas être trop près. C'était pas si difficile, c'est juste que j'avais mal compris. Oui, vas-y, viens, c'est trop tard. C'est trop tard. Ouais, trop tard, mince. Ah, quoi que j'aurais pu tirer. J'aurais pu tirer en effet. Je pensais que c'était un coup de marteau qu'il fallait donner, mais non. Vas-y, il refait son pouvoir magique. Ok, nickel. Vas-y. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Allez, allez. Non, mince. Ah, c'est dommage, ça. Mais après, est-ce qu'il va rester? Il reste décollé. Donc on va y arriver. Ok, vas-y, tire. Ça va, il arrête son coup bien avant, donc... Oh, 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 il y en a un deuxième! Ah, je ne savais pas. Oula, il y en a encore un! Ok, c'est bon. On dirait qu'il a une moustache maintenant, le bruit insecte. Vas-y, Mario! Oui, 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 non! Oh, 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 oh! Il va y avoir besoin d'un troisième coup. Il va faire que de me tirer dessus, là. Ça va pas s'arrêter. J'ai peur. J'ai très peur. Ça va être difficile d'éviter tout ça. Vas-y. Ah, il est tombé par terre. Mince! Je pensais pas si tôt. Ah, c'est bon! Mais après, il va falloir le combattre. Genre le bruit insecte, hein, normal. Tu as réussi, il ne peut plus utiliser la magie. Tu n'as plus face à toi qu'un simple bruit insecte géant. Oh, bon, déjà qu'un bruit insecte est difficile à tuer, mais alors géant, on sait rien. Hein. Achève-le rapidement, d'accord? Ça fait rien. Aïe, ah, par contre, lui, il me fait mal. Hein. Si je...
toi. D'accord. Ok. Nickel. Mais il a l'air d'être quand même très difficile. Hein. Il va faire quoi là? Il fonce vers moi ou il fonce en ligne droite? Il fonce vers moi. C'est difficile à éviter ce machin. Je peux le taper, je pense, quand... Ah non, il est invincible. On peut pas le taper quand il nous fonce dessus. Vas-y, va pas vers moi, va pas vers moi. Ok. Ah! Ça va être un peu chaud à éviter. Oh là 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 là. Ça fait vraiment trop mal, ce truc. Hein. Ok, c'est bon, c'est peut-être le dernier coup. Non, je pense pas. Hein. Ah si! Oh, merci pour le cœur, parce que là, je battrai pas le boss avec, genre, 45 PV. Hein. Combien? 100. Oh, c'est tout. N'oublie pas la paire de ciseaux! Mais je vais pas l'oublier. Ça va faire beaucoup de boss aujourd'hui dans cette vidéo. Composé des visages de sbires aussi minables, cette créature ne pouvait guère être qu'un jouet peu fiable. Qu'importe, vous voilà échauffé. En garde, Cloporte, on va batailler. Je sens que ça va faire très 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 mal ce truc. Ouh là 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 là, je suis. Comment je fais? C'est quoi la technique? Je fais quoi? Sans détour, je vous le dis, dans peu de temps vous serez charpie, mais de m'amuser, j'ai la lubie. Je pourrais sans plus de manière vous tailler sur le champ lanière, mais cela ne saurait me plaire. Aussi ai-je décidé sans embâge de vous octroyer un léger avantage. Il parle en prose, génial, il fait des rimes. Voilà, de ce fourreau j'ai revêtu mes lames affûtées, afin de disputer ce duel avec un peu plus d'équité. Dans la joute, attention cependant à ne pas réduire cet étui à néant. Je considérerai comme un outrage une telle bévue, et vous ferai payer l'affront sans plus de retenue. Ok, mais ça ne m'aide pas à savoir ce que je dois faire. Heureusement qu'il y a l'indice juste à côté. Bon. Bon. En toute honnêteté, les amis, que fait-on? On va appuyer sur le bouton ON. Et une fois que ce sera fait, je pense qu'on va attaquer. Je sais pas si c'est la bonne idée. Enfin, si c'est la bonne chose à faire, mais... C'est en tout cas ce que je vais faire. En plus, on va au coffre et tout, donc là, c'est bon et tout. Ouais, tout est nickel. Ok, qu'est-ce que ça dit, là? Attention, danger! Ne cassez surtout pas cet étui! Choisissez bien la cible de vos attaques. D'accord, ok. Attention, danger, hein! Écrit en rouge et tout, genre... Faut pas qu'on se trompe, hein. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok, le coffre ne servait pas à grand-chose. Donc là, ouais, on va attaquer ça. Botte légendaire. Comme ça, on détruit pas l'étui. L'étui. Et en plus, on lui fait pas mal de dégâts, hein! Ok, très bien. Coup d'étui. Ça fait mal, mais probablement beaucoup moins mal que de se faire couper en deux par une paire de ciseaux. Ah, maintenant, faut que j'utilise le marteau. Ah, intéressant ce combat. Intéressant. Mais attendez, mais les trucs sont super bien disposés de base. Ce combat est un peu bizarre parce que, genre, les trucs sont ultra bien disposés. J'ai l'impression, genre, j'ai pas grand-chose à faire, en fait. Genre, les trucs de base sont parfaits. Je pouvais pas mettre le... Ça sert à rien de mettre le coffre, il y aura rien dedans, donc ok, ok. Ouais, je sais, c'est le même... Oh, j'aurais peut-être dû chercher le coffre plutôt que l'indice, mais bon, tant pis. Plus un, et là, c'est parti pour marteau légendaire. Et à nouveau marteau légendaire. Ou la queue, hein. C'est vrai que la queue, on l'utilise jamais, donc c'est peut-être marrant. J'espère que ça l'inverse pas entre chaque attaque, hein. Ça me fait peur, ça. Oh mince, dommage. Ok, ça n'inverse pas entre chaque attaque. C'est quoi la touche action? Ok, j'ai loupé. Mais non, Tanuki, il est trop mignon. Bon, par contre, il a énormément de vie, le boss. Hein. Ok. Ok. Oh oui, voilà fort longtemps que je n'avais pas plus affronté d'adversaire aussi vaillant. Je retrouve l'ardeur du combat. Approche, en garde, me voilà. Ok, il se retourne encore? Nickel, c'est pas là. On va lui sauter dessus. Ça, je veux bien... Je veux bien le coffre, maintenant. On fait ça. J'imagine que les bras multipliés aussi font un truc. Mais quoi, ils sont vraiment utiles? Essayons, on n'y perd rien à essayer les bras multipliés. Là c'est bon, tout est bien, en plus je récupère quand même l'indice. Je sais pas trop pourquoi, mais j'ai de la chance. Si, ok, il y avait un truc dedans. Ah non, ok, d'accord. Il y avait des cœurs et des pièces. Par contre, ajustez vos attaques selon les mouvements de la paire du ciseau. N'attaquez surtout pas son étui. Ah oui, c'est vrai, j'ai les bras multipliés. Donc là, il faisait n'importe quoi et je dois l'attraper au bon moment. C'est bon là, il est bien positionné? Oui, bah ok. Non! Non! Non, 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 on abandonne, on abandonne, on abandonne.
Je pensais que ça allait attaquer en hauteur. Genre, attendez, Mario, il a des bras qui font 25 milliards de mètres. Et au lieu de les étendre et d'attaquer en hauteur, il attaque à la portée de ses bras nuls de base. Ok. Assez, c'en est trop. L'amusement a tant à durer, mais tes pitoyables attaques ont fini par me lasser. Coupons court au combat, il faut trancher. Je suis là pour ça. Mince. Ah, dans tous les cas, donc il m'aurait attaqué. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je pense que je dois le glacer, non? De cela, vous n'aurez sûrement nul besoin. Et j'aime à me battre avec une vue dégagée sur le terrain. Il fait quoi là? Ah, j'en avais probablement besoin, je... Oh mon dieu. Concentration, honneur, estime. En garde pour mon attaque ultime. Que fais-je? Que fais-je? C'est une horreur. Attendez, what? Déjà, j'ai 20 de l'indice. Je pense que je peux l'avoir. Non, mince. Attendez, peut-être que oui. Là, on fait ça. Ensuite, on va attaquer. C'est pas ça qu'il faut. Il faudrait que je monte, en fait. On va peut-être essayer de faire autre chose. Voilà, là, on fait ça. Là, on peut récupérer l'indice, mais pas attaquer. Je vais pas attaquer, je pense que ça sert à rien. Dans tous les cas, il faut que je comprenne ce qui se passe. Merci de m'avoir redonné ça. Ça, c'est parfait. Il est impossible de parer les coups de lame de la paire de ciseaux. Sauter au bon moment en appuyant sur A. Mince. Rien ne peut mon escouade arrêter. Ennemi plat et sans relief. Adieu, votre dernière heure a sonné. Je connais pas son timing. Waouh! Hé, hey, c'est déloyal, je te méprise. Esquivé d'un saut mes lames, quelle infâme traîtrise. What? J'ai réussi à esquiver ses lames. Je sais pas si j'y arriverai plus. Hein. Il est sérieux? Ah, ça va, il détruit pas les pires trucs. Ok, ça va. Ça va. Qu'est-ce que je fais là? Je le gèle. Ok. Je pense que le geler, c'est pas une mauvaise idée. Hein. En vrai. Mais après, est-ce que ça va durer plus d'un tour, quoi? C'est ça la question aussi. Mmh. C'est compliqué de savoir. Hein. Bref, essayons. Hein. Dans tous les cas, je sais pas. L'indice m'a pas tout à fait dit ce qu'il fallait, donc je sais pas. Allez, pouvoir d'esprit. Ce serait bien que ça le gèle et qu'il puisse pas attaquer à ce tour. Hein. Ça, ce serait parfait, ce serait nickel. Mais peut-être que je me fais trop d'imagination, quoi. Ah, mais il gèle le terrain. Ah non, il gèle lui, ok. Ouais, mais après, il détruit la glace. Ça, c'est pas ouf. Non? Pris en glace, impossible de bouger. Ah ouais? Ça, je dois vous avouer en toute honnêteté que ça me paraissait plutôt logique que ça allait le bloquer. Mais après, il y a des trucs depuis le début du jeu qui me paraissaient logiques et qui, en fait, n'ont pas vraiment été. Donc, on sait jamais. Et après, je fais quoi? Les bras multipliés? Il y a l'indice, on, bras multipliés. Bah, ils vont me dire, hein. Ça se trouve, je me trompe, mais on va voir. Lorsque la paire de ciseaux est gelée, c'est l'occasion parfaite de l'attaquer avec les bras multipliés. What? Mais je comprends ce combat immédiatement, quoi. Enfin, c'est... Je sais pas, c'est à force depuis le début du jeu, là, je commence à comprendre tout ce qu'il faut. Bon, par contre, ça va détruire la glace. Donc, ça va pas être... Ah non, what? Ah oui, si. Et il peut pas attaquer. Ah mais je le tuerai pas, hein. Ouf. Ça c'est pas ouf parce que... Il va recommencer à m'attaquer là, hein. Non? Ah si. Ah il coupe les segments. Et en plus... Des segments qui me dérangent pas qu'il les coupe. Il va m'attaquer, faut que je le glace immédiatement. Ok. Le bouton on et la glace juste après. C'est un peu trop facile là, hein. Je vais mettre une pièce. Alors, je suis un peu déçu quand même parce que quand on m'avait parlé de ce combat, on m'avait dit qu'il serait super dur. Et là, pour l'instant, j'ai l'impression que j'ai de la chance. En fait, j'ai les bonnes dispositions comme il faut. Et j'ai compris, j'ai eu la chance pour ce combat de comprendre immédiatement ce qu'il fallait faire. Donc là, j'espère qu'il va y avoir personne dans les commentaires qui va dire « Ouais, Kirbendo, t'as fait exprès d'être nul pour le watch time de ta vidéo. » Comme la dernière fois. En plus, il prend des... Oh, c'est bon, il est mort. Prochain bras multiplié, il est mort. Tour de l'ennemi, bah non. Bah non. Bah non. Il aurait dû sortir du fourreau immédiatement et m'attaquer dès le début du combat. Là, je pense que... Là, ça m'aurait pas plu. Ok, donc là, ok. Et les bras multipliés. Pareil, on les met ici. Et
Voilà, c'est bon, on a tout ce qu'il faut, nickel. En plus, j'ai l'impression que les trucs étaient dispositionnés à chaque fois au même endroit. Genre là, j'ai fait exactement la même combinaison que quand j'ai utilisé les bras multipliés tout à l'heure, non? Il me semble. Ok. Allez, on chope et on lance. Et là, faut se préparer et faire... Ah, on a grippe et... Oh, j'avais peur que ça stoppe alors qu'il lui restait un PV comme ils le font de temps en temps. Non, c'est bon, nickel! C'est peut-être parmi tous les combats de boss le plus facile que j'ai eu. Mais je pense que c'est parce que j'ai vraiment super géré au moment de l'esquive. Si j'avais loupé l'esquive, je serais mort immédiatement. Peut-être pas parce que j'avais le champivi, mais encore pas sûr. Hein. Alors, que dis-tu de ça? Là, on t'a réglé ton compte. Ça t'apprendra à sous-estimer mon ami Mario. Oh? Il est pas mort? Ah, va pas trop près. What? D'accord. Il était tellement choqué d'avoir perdu qu'il savait pas quoi dire. Ah, ça les ramène tous à la vie. Enfin, ça les reconstruit, quoi. Et là, les bras multipliés pour récupérer... Enfin, pour détruire le dernier serpentin que je ne vais pas faire aujourd'hui. Parce qu'après, Bowser et tout, ils vont nous parler, je pense. Donc, on fera ça après, dans le prochain épisode. Tu as réussi, Mario! J'ai retrouvé mon aspect normal et j'ai même réussi à ne pas perdre ma baguette. Eh, pas mal! Comme quoi, il faut pas croire tout ce que papa dit de toi. T'es pas si petit et si bête que ça. Bah, sinon, on n'aurait pas battu Bowser tant de fois. Bon, il ne nous reste plus qu'à nous occuper du serpentin vert. Réglons la question comme on le fait toujours, en cognant dessus super fort. C'est vrai que se battre, c'est toujours la solution dans la vie. Ah! Ça, moi, je veux bien. Mais il y a presque rien. Non, c'était le bruit insecte macho, là, qui m'a donné tout ça. Ouais, mais c'est presque rien. Ok, ça remplit même pas ma réserve. Ah, et ma réserve va se remplir, là, vu que je vais récupérer le truc. Eh bien, les amis, nous, on va se mettre sur le trône qui nous revient de droit. Et on va en rester là pour cette vidéo de Paper Mario. Je sais que vous aimez bien quand je m'occupe du serpentin dans la même vidéo que le boss, mais on s'en moque parce que... après, il va y avoir probablement Bowser et tout qui va nous parler et tout. Et donc, on fera ça dans le prochain épisode. Là, il y a déjà eu 3 boss. 3 boss, oui, c'est quand même pas mal. Donc les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de Paper Mario The Origami King. J'espère qu'elle vous aura plu autant que ça m'a plu. Ce boss là, vraiment, c'était super cool de le battre. Vraiment, je suis plutôt fier de ce que j'ai fait. Le fait de pas avoir perdu et tout, je suis plutôt content. Bref, les amis, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et à demain pour la suite. Salut!